J'ai un vieux truc à te présenter. Enfin vieux, pas tant que ça, ça a un an et demi. Mais il est fini. Je ne pourrai donc pas te présenter le processus de création et de fabrication. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo spéciale 80 vues. Cet objet, c'est... La Master Sword imprimée en PLA. Le modèle... Breath of the Wild, Skyward Sword, Twilight Princess, ils se ressemblent un petit peu. Tu en trouveras plein des Master Swords de cette forme. J'ai d'ailleurs copié un modèle existant sur Thingiverse pour faire la mienne. Celle de H. Maxkowski que tu trouveras dans la description. Alors, pourquoi l'avoir recréé si ça existait déjà? Eh bien, parce que je n'aime pas peindre et surtout pas mes impressions 3D. Alors j'ai créé un modèle où chaque partie de couleur différente est imprimée à part. Et accessoirement, compatible avec une machine de 20 par 20 par 20 cm. Tu pourras te rendre compte, si tu compares les deux modèles, que je n'ai pas modifié l'original, je l'ai entièrement redessiné. J'ai également ajouté une âme à cette épée. Elle contient une tige filetée en métal de 8 mm, ce qui lui donne un poids conséquent, on la sent bien dans sa main. Les morceaux sont collés avec de la cyano, la super glue. Je trouve pas ça très classe, mais c'est efficace. Un des problèmes, c'est la lame. Je l'ai séparée en 10 morceaux, imprimée à plat. Si je devais recommencer, je l'imprimerais debout en 5 morceaux. Évidemment, les zones de jonction de la lame sont visibles et pas très jolies. Ah, je préfère préciser, les artefacts créés par l'impression 3D ne me dérangent pas, au contraire. C'est une fierté, une marque de fabrique. Mais les marques d'assemblage, dues à la petitesse de mon imprimante, je m'en passerais bien. Si tu devais l'imprimer, je te conseille de visser les lames sur la tige filetée en premier et en force donc, pour que les morceaux s'écrasent bien les uns contre les autres. Si la tige filetée est trop fine, c'est que tu t'es trompé de taille, mais sinon, rajoute du mastic ou quelque chose comme ça. L'autre problème, mais pas des moindres, c'est le cordage vert de la poignée. J'ai pas mal gambergé, et j'ai décidé de le faire à plat, fin, pour ensuite l'enrouler autour du manche. Mais l'assemblage a été infernal, trop de tension. La superglue ne pouvait rien pour moi. J'ai utilisé mon crayon 3D avec le même filament, pour fixer les points d'attache, mais même là, ça a été compliqué. J'en ai également profité pour masquer les décalages et les défauts d'assemblage avec le crayon 3D. Maintenant, j'aimerais te parler de l'accueil qu'a reçu cette épée sur le web. Je n'ai que mes stats, donc je ne peux pas les comparer aux autres modèles disponibles. Le modèle a été posté en avril 2018, et voici mes stats, depuis un an, de tout ce que j'ai créé. Le pic qui nous intéresse, c'est celui-là. Le premier jour, 177 vues, le deuxième 184, et ensuite ça descend doucement, l'objet n'étant plus en page d'accueil. C'est en général les résultats que j'obtiens quand je poste un nouvel objet. Ce pic là, je t'en parlerai un jour sans doute, je suppose. Voici les chiffres spécifiques qui nous intéressent. Par ordre de préférence, 736 téléchargements. 99 fois mis dans un groupe, pour moi ça a plus de valeur qu'un like. 95 likes et 3247 vues. Ce qui nous fait un taux de conversion entre les vues et les téléchargements de 22%, et ben, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais j'ai également publié cet objet sur My Mini Factory, un autre site du même genre. 511 téléchargements, 11 fois mis dans un groupe, 200 likes et 5704 vues. Beaucoup plus de vues que de téléchargements. On a un taux de conversion de 8% avec un nombre impressionnant de vues. Et pour finir, les chiffres de Kulz 3D ou Kulz 3D. Beaucoup plus petit site, moins de visibilité, 262 téléchargements malgré tout, 40 likes et 2211 vues, ce qui fait un taux de conversion de 11%, ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Mais que je me la pète bien sûr avec mes vues, mais plus sérieusement. C'est intéressant, on a un objet virtuel en 3D qui se retrouve dupliqué peut-être 200, peut-être 500 fois. En fait, je sais pas, j'ai aucun retour. Il y a eu plus de 1500 téléchargements et la seule photo que j'ai, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à emboîter deux pièces. En fait, faut forcer. C'est vrai que c'est un peu dur, mais faut forcer. C'est frustrant. Elle est bien. Elle est jolie. Elle fait très bien dans un appartement accroché au mur. Allez, imprime-la, imprime-la, vas-y, là. Va télécharger le fichier. Imprime, imprime, vas-y, et fais une photo. Mets la photo sur Thingiverse, vas-y. Je veux voir, moi, je veux voir des gens qui ont fabriqué cette épée et qui en sont contents. Bon, sur ce,
j'ai fini de me plaindre. Comme d'habitude, ne laisse pas de pouce. La notation, c'est le mal. Si t'as une question qui appelle une réponse, il y a la section commentaires. Si tu veux t'abonner, fais-le sur Peertube, parce que Peertube, c'est le bien. Un jour, j'expliquerai pourquoi, sans doute. N'hésite pas à aller voir mes autres créations sur Thingiverse. Et j'espère que tu auras l'occasion de me revoir dans une future vidéo.